Je suis Gaspard Delanoë, donc je suis installé au 4e étage du 59 Rivoli. Je suis le fondateur du lieu avec deux autres personnes, Kalex et Bruno. Donc j'ai fondé ce lieu il y a 19 ans. Ça veut dire qu'on est rentré illégalement dans cet immeuble qui était à l'abandon. Et puis bon, après, suite à une grande bataille, on a réussi à faire légaliser le lieu au bout de quelques années. J'ai mon atelier au 4e étage qui s'appelle le musée Igor Balout, dans lequel je présente surtout une accumulation d'objets. Le nom Igor Balout est un nom qui a été pioché au hasard, selon la vieille technique Dada, donc au hasard dans un annuaire. Je m'intéresse à tout ce qui a eu une valeur, a été dévalué, ou alors qui n'a pas de valeur. Voilà ce que reflète l'univers du musée. Dire que l'art ne s'adresse pas uniquement aux bourgeois dans les galeries du 3e où l'art est survalorisé, ou dans les musées où l'art est sacralisé. Tout ça ne nous intéresse pas du tout, nous. Mon thème, en fait, c'est les hommes en jupe. Donc c'est ma vision un peu fantasmée de l'égalité. Tiens, voilà, je suis assez isolée. Là, j'ai envie de rencontrer plus de monde, d'autres artistes. Et puis finalement, être exposée ici, c'est avoir une vue. Enfin, en fait, je crois que quand on est artiste, on existe. Quand on peut montrer ce qu'on fait. Donc là, c'est vrai qu'il y a 6 mois, on se dit, on existe, on est là. Et on a l'occasion d'être vu. Donc c'est une façon d'exister aussi. Aussi de partager avec les autres artistes et avec les visiteurs, avec le public, le lieu, les artistes, l'énergie du lieu, l'énergie de tous ces artistes, le public aussi, voilà, de cette proximité avec les visiteurs. J'arrache les affiches dans la rue, dans le monde entier où je vais. Je voyage, j'arrache. Je suis comme une enfant qui arrache les affiches dans la rue. C'est-à-dire que c'est très jouissif pour moi de le faire. En fait, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est... Moi, je prends une photo, c'est l'expression de la personne, peu importe qui est la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est connue, pas connue. Moi, je sors la personne, je la sors de son contexte, de femme actrice figée ou mannequin, et je lui raconte une toute autre histoire. Je lui donne une deuxième vie, puis après, je colle un mot dessus. Nous, pour nous, l'art est au cœur de la vie. Non, l'art pour nous est sale, l'art est impur, comme la vie.